Hello, c'est Anjo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de colis, un Nikon Coolpix B700, un des derniers appareils de Nikon de l'année 2016. Enfin, il est sorti en avril, je crois. Ou, ouais, je sais plus. Alors, il a Powerful VR, c'est la stabilité de l'appareil photo qui évite les tremblements. Il a 20,3 mégapixels. Il a un zoom optique de 60. Et il fait des vidéos 4K en Ultra HD. Il a aussi l'application SnapBridge. C'est ce qui vous permet de vous connecter sur votre téléphone et ordinateur et tout ça et transférer les photos via le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc on va le voir de un petit peu plus près. Je suis vraiment désolé pour la qualité de vidéo. C'est un petit appareil photo que j'ai pris et il est vraiment vieux. Donc on va le voir de plus près. Hop, sur le côté gauche, vous avez le zoom et la mise au point. Je vous ai pas montré l'ouverture de la boîte, mais quand on l'ouvre, on trouve un tour de cou et le capuchon qui va avec l'appareil photo. On a le flash de ce côté-là, qui est intégré bien sûr à l'appareil photo. Là, le viseur. Et ici, on a tous les modes qu'on va voir juste après. FN1, c'est des fonctions supplémentaires qu'on va voir aussi après. Le zoom. Le bouton on-off. Les petites molettes de réglage. Ça, c'est pour désactiver l'écran. Disp, c'est pour avoir les informations qu'on veut sur notre écran. Le bouton rouge, enregistrement vidéo. FN, les fonctions supplémentaires qu'on va voir après. La lecture, flash, contraste, macro infini et tout ça. Et le retardateur, menu, supprimer. Bon, c'est tout simple. Et bien sûr, oui, le bouton pour prendre les photos. Le petit trou pour visser les trépieds. Hop, là-dedans, il y a la batterie. C'est pas des piles, c'est une batterie. C'est pas plus mal. Faudrait mieux en acheter une deuxième au cas où. Mais c'est pas mal la batterie. Je préfère la batterie que les piles. Après, on a la fente pour la carte SD. C'est pas des mini-cartes, c'est des cartes SD toutes simples. Après, on a notre écran rotatif, qui est plutôt pas mal pour un appareil photo. Qu'on peut replacer comme ça, ce qui est très utile. Il va pas plus loin que ça, mais bon, on prend pas souvent des photos avec les bras en l'air. Passons à l'allumage et voir ses fonctionnalités. Il n'y a pas de carte mémoire, bien sûr. On va faire sans pour l'instant. Alors, on va voir tous les modes de l'appareil photo. On a le mode manuel, le mode auto-priorité ouverture, auto-à-priorité vitesse, auto-programmé,
mode auto, animaux domestiques, paysage de nuit, portrait de nuit, paysage, rayonnement, réglage utilisateur, moi c'est celui que je préfère. On va aller dans le menu, mais pas dans celui-là, dans le menu automatique. Pour vous montrer vraiment les bases, quoi. Alors, on a la qualité d'image. J'ai mis normal. La taille de l'image, c'est les pixels. En vidéo, on a l'option vidéo. C'est pareil, c'est la qualité. Le mode autofocus. Ça, je connais pas trop. Réduction du bruit du vent. C'est pas mal. Microphone selon zoom. Oui, c'est pas mal aussi. Cadence de prise de vue. Ça doit être les images par seconde, mais je suis pas sûr. J'ai pas lu la notice. Après, on a le menu réseau. Moi, je laisse le mode avion. Au moins, j'économise de la batterie. Parce que je me sers pas de l'application SnapBridge. Mais sinon, si on l'active, on peut se connecter, voilà, à SnapBridge avec le logiciel, l'application plutôt sur smartphone ou alors sur l'ordinateur. Après, option d'envoi auto, je sais pas du tout. Le Wi-Fi, votre Wi-Fi, le Bluetooth et après rétablir réglage par défaut. Et ensuite, on a la configuration. La plupart des options, j'y comprends rien du tout. Je suis tout nouveau avec l'appareil photo. Je le connais pas plus que ça. Alors, on va aller en mode manuel. Et je vais vous montrer tout ce qu'il peut régler en manuel. L'ISO, l'ouverture, etc., etc. Je m'y connais pas trop. C'est juste pour vous montrer. Alors ça doit être l'ouverture si je dis pas de bêtises. Ou pas. Après ça c'est l'ISO, je pense. Là je crois il monte jusqu'à 4000. Désolé pour la qualité d'image encore, on voit pas grand-chose. Ça se modifie avec les molettes que je vous ai montré tout à l'heure. On peut régler à peu près tout ce qu'on veut, mais je sais pas exactement le faire. Alors, en haut, non, à gauche, on a le retardateur. Détecteur de souris, retardateur 2 secondes, 10 secondes. En haut, on a le flash qu'il faut ouvrir pour l'utiliser. Le flash standard, atténuation, yeux rouges et synchro sur le second rideau. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Après, j'ai fermé le flash. On clique à droite. Ça joue avec le contraste. Et en bas, le macro, l'autofocus, l'infini
et la mise au point manuelle, MF. Et tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Après, je voulais vous montrer dans réglage utilisateur ce que je trouve vachement bien. Moi, je vais faire des vidéos de stop motion avec des figurines. Du coup, ça se prend de vachement près, les photos. Et on a besoin de ce que je vais vous montrer. Donc, FN1 et FN2, c'était des fonctions en plus, en fait. Vous avez beaucoup de fonctions. La qualité d'image. C'est comme tout à l'heure, mais c'est des réglages rapides en fait. Après, on a la taille de l'image. Le picture control. La balance des blancs. La mesure, c'est la mise au point. Les rafales. La sensibilité. Les zones d'autofocus et la réduction des vibrations. Alors on va dans les mises au point et on met manuel. Et je trouve ça vachement bien et très utile pour toute photo qu'on veut faire, qu'on veuille faire, pour faire des photos nettes au premier plan et floues en second plan ou l'inverse pour faire des photos floues en premier plan et nettes en second plan. Petit exemple ici. Net au premier plan. Et là, net au second plan. Différence. Je trouve ça vachement sympa. Je vous laisse admirer l'efficacité du zoom de l'appareil photo. Il est 2,60 et il est juste énorme.
Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Anjo.